l'offre de terrain, de Martine Terrain, est expirée, comme vous pouvez le voir directement sur l'article ici du Real Deal. Aujourd'hui, nous sommes ici au Castle Beach afin de faire l'actualisation semaine de la semaine du 8 février jusqu'au 15 février 2024. Comme vous pouvez le voir, la piscine, ça y est, elle est remplie d'eau, elle est en filtration, elle va certainement réouvrir d'ici une semaine, le temps que toute l'eau filtre les produits qu'il y a eu pour le gel coat au niveau de la couverture de la piscine. Donc l'avancée au niveau des travaux du Castle Beach se fait bien. Comme vous le savez, Terra a donné la possibilité de parler avec les trois propriétaires qui n'ont pas signé l'offre du Castle Beach. Ceci ne veut pas dire que la vente va se faire. Il ordonne jusqu'au 28 février pour changer d'opinion et pour pouvoir signer cette offre. Aujourd'hui, le Castle Beach n'a plus d'offre. Les propriétaires doivent comprendre ça. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir directement ici sur cette feuille, un appartement. Nous avons, nous, le Bon Courage, notre agence, a listé un appartement cette semaine, le 17-18, au prix de 480 000 dollars, qui était un studio sur la baie. Donc, comme vous pouvez le voir, le Castle Beach, 571 appartements au total, 18 étages, où vous avez la possibilité de faire de la location de vacances à la journée. Il n'y a pas de frais d'enregistrement, vous pouvez le manager directement par vous-même, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Donc, sur les plateformes Airbnb, Vrbo et autres, et ainsi de pouvoir faire une rentabilité. D'ailleurs, si vous voulez voir la rentabilité que vous pouvez avoir sur un appartement, que vous pouvez avoir, non seulement au Castle Beach, mais sur d'autres bâtiments, également sur d'autres buildings que nous faisons l'actualisation chaque semaine, guys, vous pouvez directement aller sur ma chaîne YouTube, cliquer sur ma chaîne YouTube, ainsi abonnez-vous, activez la cloche, vous allez recevoir une alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne ou d'un report d'un building ou du Castle Beach ou de ce qui se passe également sur l'immobilier ici à Miami. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Plus de détails sur le Castle Beach, toute l'actualisation, nous la faisons depuis plus de 4 ans. Donc, vous pouvez directement aller sur le site du Castle Beach, www.castlebeachreports.com. Ainsi, vous allez avoir toutes les données, toute la feuille que vous avez vue ici concernant le report du Castle Beach est sur le site. Vous pouvez bien sûr, évidemment, si vous voulez investir sur un appartement, si vous voulez savoir un peu ce que ça peut rapporter, si vous voulez savoir un prix moyen au niveau de l'achat d'un appartement et savoir également si vous pouvez faire un crédit si vous voulez acheter un appartement. Étant étranger, vous avez la possibilité de faire un crédit ici aux États-Unis. Vous pouvez directement me contacter par WhatsApp, par message texte ou directement en m'appelant sur mon numéro personnel 786 603 01 84. Vous pouvez d'ailleurs aussi prendre rendez-vous directement sur mon calendrier électronique dont le lien est ci-dessus. Guys, vous avez toutes les informations afin de pouvoir faire un bon investissement. Je comprends, vous pouvez faire votre propre analyse financière dans un premier temps. La meilleure solution est de vous faire aider par un professionnel. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur ma chaîne YouTube, allez sur le site web. Ainsi, vous pouvez déjà être informé et prenez rendez-vous avec moi. Je vous expliquerai en fonction de vos besoins, en fonction de vos moyens, en fonction de vos projets, ce que vous pouvez faire si vous voulez investir ici sur cette magnifique ville, Miami Beach. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous nous voyons donc la semaine prochaine. Bye bye.